Bonsoir et bienvenue pour un nouveau live. Ce soir, nous sommes sur Baleine qui vient de sortir. Comme je disais la dernière fois, on est en train de se rééquiper pour reprendre l'aventure. On va se faire le meilleur équipement possible. Parce qu'il va falloir qu'on aille faire le deuxième boss. C'est enfin donc main du bardoche, hein. Ça ici. Bon, je vais couper la musique pour l'instant. Juste pour l'instant. Je verrai plus tard si je reprends la musique. Démarrer un serveur. On sait jamais. Pour l'instant, la musique est tranquille. Et il faut beaucoup d'encore de... J'ai beaucoup de minerais que j'ai pas encore. Faut que je récupère beaucoup de bronze pour au moins. Faut que je fasse du bronze pour au moins encore un live. Ce live-ci au moins là. Bon. C'est pas lui. L'autre à côté. On prend tout. Voilà, on va faire de la lumière. Ah, il m'en manque un. Le marteau, 5. Meuble. C'est deux cuivres avec du bois. Deux bois. Il me reste du cuivre. Ah oui. Deux. On va se mettre une lumière juste ici. Et voilà. Donc ça, il fait un petit peu plus clair dans cette baraque. On voit un peu plus clair. Fait que, il va me falloir une hache. Bon, en vrai, c'est le bronze qu'il va me falloir encore. Fait que, bon. Ah, ici, il y a une inspection encore. On va avoir faim. Bon. On va se diriger. Oups, j'ai une noix. Ah, merci. On va déposer du stock. J'ai pas besoin de. C'est ça. Et on va. Manger un bout. On va récupérer ma garnotte qui a bouti. Ah. Bien, voilà. On va déposer tout ce que j'ai pas de besoin. Ça, on n'a pas de besoin. Ça, on n'a pas de besoin. Le bois est ici. Pas besoin. L'autre à côté, ici. Et voilà. Ok, maintenant on est en route pour miner tout ce qu'on a besoin d'un détour. Et. Arr. Et voilà. Faisais la course avec un chevreuil, mais non. Soyons pas imbéciles.
Le cuivre, il m'en reste. C'est l'étain qu'il me faut. Il faut falloir que j'aille miner de l'étain. Le meilleur moyen de miner de l'étain, c'est de longer la côte. On va la longer. Et c'est la stamina remontée. On peut même piquer au travers du bois. Ça posera pas trop de problèmes. On a quand même un bout de chemin à faire avant d'arriver à une zone où est-ce qu'il y a encore du l'étain qu'on n'a pas exploité encore. Faut surveiller. Surveille là parce que des fois il y a des mauvaises surprises. C'est de pas trop me faire surprendre. Ouais, moi aussi. Bon, j'ai plus de stamina. Ça c'est la caverne du troll. Ah non, c'est une caverne de troll. J'avais pas vu. Ah oui, c'est une caverne de trucs que j'avais pas vu. A marqué. Ici. Cave. Troll. Ok, maintenant je peux comprendre que mon frère m'a dit qu'il n'avait déjà vu une deuxième caverne de troll. Je peux le comprendre. Away. Voilà. Tout le ménage en même temps. On monte mes niveaux pareil, là, tout le temps. On a ici. Oh, juste une tombe normale là. Ramasser squelette, ramasser squelette. Je vais vider. Ça, ça. Oh boy. Non, monsieur. Non, monsieur. Ah, non, monsieur. On se casse. Non, monsieur. J'ai dit non, monsieur. Vous avez arrêté de me suivre? C'est bien. C'est un bon monsieur. Un gentil monsieur. Faut commencer à descendre ici. Ah oui, c'est vrai, il y avait de quoi j'avais dompé. Dans une ruine pas très loin d'ici. Ah, il y avait du coup du stock. Peut-être c'est du cuivre. Bon, on continue. Ne pas pire d'avancer encore. Et j'ai encore du chemin à faire, c'est un fait. Il y a un bâtiment là.
Un autre troll là, ok. Restons loin de lui. On va rester loin du troll. Je vous dirais que je suis pas très à l'aise encore de buter des trolls. Ah ouais! Ah non, come on! Aïe, nage tant qu'à faire. On va monter par là, on va nager. Une autre caverne en haut, je pense. Ah non, je l'ai déjà marqué, c'est elle que j'avais marqué. Ok. Ok, c'est vrai, ici. On avait ici. Lui qu'on peut enlever. Lui qu'on peut enlever. J'avais oublié d'enlever mes waypoints la dernière fois. On a ici du cuivre. Ah, c'est ici. Le gisement de cuivre, il est là. Ok. J'essaie de regarder un œil. Ah, c'est ici. C'est ici la dernière fois que j'avais arrêté. J'avais arrêté ici la dernière fois. Il est vide, ok. Hein? Chier. Bon, on continue. C'est tout. Dépôt d'étain. On continue de miner. C'est tout ce qu'il faut faire. On vérifie qu'il n'y a pas un peu plus à l'intérieur des terres. Des fois, il peut en avoir un petit peu plus, mais là, j'en vois pas. Ici, c'est de la roche. Oh, tant pis, je pense que j'en ai skippé un set. Ouais, j'en ai skippé un set. Voilà, on peut enlever le waypoint d'étain ici. Là en plus ça en train de devenir brumeux, fait que s'il y a un troll, je vais me faire spotter, je vais me faire surprendre. C'est de plus agréable. Un autre étain ici. Je vérifie. Bon, faut que je garde un œil sur ma limite de poids. Que ça monte vite. Bon, assez vite. Pour de vrai. J'en ai fait un peu de repérage avant. Pierre, j'en veux pas. Un autre étain ici. Il me reste un peu de marge encore niveau poids. En vrai, il me reste un petit peu de marge. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'on ne peut pas améliorer notre
quantité de poids qu'on peut porter. Et franchement, très dommage. Et niveau poids. Je vois rien que. On va faire comme si c'était rien. C'est du cuivre. Non, c'est pas de cuivre, y'a rien ici. En termes de minerai, j'ai quoi? Avoir de l'étain dans ce principe. Si je l'ai marqué, c'est que je l'ai. J'ai mis ici de l'étain. Donc l'étain expose. Ah, il. Où? Bon, je vois pas de d'étain ici. Mais il y en a un là. On enlève. Ah, j'ai pas de rush, c'est bon. Pas de gravier dans l'inventaire. Puis on mange ça. Puis on mange ça. On peut encore ramasser un petit peu. Je vais enlever lui. Ici, j'en ai un là. Je pense que je peux le récupérer au complet. Il m'en manque juste un. Un peu dommage, par exemple. L'inventaire est plein. Bon. Niveau de la map, ici c'est la montagne, je peux pas passer par la montagne. Là je suis complètement à l'opposé la maison. Fait que, autant je peux couper en ligne droite par ici pour faire le tour, ça va refaire le même, ça va être autant l'un que l'autre, je vais sauver autant de temps que l'un que l'autre. Prenons ces deux-là. On n'est jamais trop prudent. On se par j'ai plus de stamina. Je sais que où le marchand j'ai une zone de sécurité. Merci. Merci. Carotte. Là, une zone de sécurité ici. Et voilà. C'est juste pour me sécuriser. C'est juste pour la zone de sécurité que je n'ai là. Bon. Et on repart. On garde un œil autour de soi. Je garde un œil autour de moi si je vois des catacombes ou quelque chose du genre. Pas le bon plan de se le marquer.
mettre le bon plan. J'ai un gros dépôt de cuivre, on l'oublie. Ah, il est immense. Je peux pas laisser ça de main. Faut que je le marque. Cuivre. Géant. Énorme comme dépôt de cuivre. Je peux pas laisser ça pas marqué. C'est beaucoup trop huge. World save in 30 seconds. Ok. Je vois pas grand chose en vrai, mais bon. Je vois de quoi. Ah, j'avais un troll là. Je l'ai vu, attends. Je l'ai vu juste à temps pour le contourner. Ah ouais. Ok. On est dans des prairies. Voilà. C'est parti. Il y a pas mal de choses intéressantes dans le coin. Excusez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de rejoindre la base. J'ai-tu de la place encore dans l'inventaire? Pas grand-chose en vrai. J'ai besoin d'une hache en bronze. C'est la prochaine des choses que je fabrique, c'est ça. J'ai besoin. Et j'ai plus de bois. Et j'ai besoin de faire du charbon de bois encore. J'ai plus. Là, mon but va être d'améliorer mon armure et compagnie. La dernière fois que je suis passé par là avec mon frère, on a juste longé. Là, je peux prendre un peu de largeur pour découvrir la zone de map que j'ai pas découvert. Ah ouais, viens ici que je te one shot. Hein, un coup de stock, t'es mort. Ah, la stature, la stamina vont pas vite. C'est bon. C'est pas grave, on s'arrange avec. Et voilà. Pas très loin d'être rendu. Je commence à tourner parce que j'ai clairement pris plus large que nécessaire. Là. Plus loin que ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave. On va découvrir tout le haut de l'île. Oh, c'est un bout de village ici. Un village ici. Peut-être trouver de quoi intéressant dans le village. Une paillasse toute défaite. De rien. 17 de saut. Ok. Notre paillasse toute défaite. Un vrai village tout pourri. Je pense pas qu'il y avait une autre baraque. Non, je vois pas d'autre baraque. Un petit peu plus loin, mais hey, attends, bon, brume c'est loin, fait que je peux voir maintenant. Mais non, par là, couleur.
Oh, il y a de la baie vers ici, on fait plein. Des framboises ici. Et titi. Allez, on est reparti pour la base. Niveau 32 de course. En vrai, ce qui serait idéal, c'est que je fasse un portail ou deux, mais. Mais pour l'instant, j'ai pas l'utilité de le faire parce qu'il me faudrait une autre base pas loin du deuxième boss. Là, ça vaudrait la peine. Que je pourrais traverser sans trop me casser le bonbon. Mais là, j'ai pas réussi à transférer beaucoup de stock de l'autre côté, puis quand j'ai traversé, ben je me suis fait défoncer. C'est-à-dire que t'as clairement pas le niveau. Non. Ok. Droit devant la maison. On n'est pas loin d'être rendu. Ah voilà. Home sweet home. Je sais qu'il a pitché le stuff à cette terre en disant que ça va finir par despawner, ça va pas despawner du tout. Charbon. Et voilà, on met les baies en extra que j'ai. En attendant, je peux. Non, je vais attendre ça ici. Ok. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Il me reste. Ouf, j'ai pas assez de charbon. Pas de charbon. Bon, on continue, Drake. À côté. C'est ici. Voilà. On va en forger quelques-uns. Il faudrait que je les récupère. Voilà. Et voilà, on est plus léger maintenant. 5, je suis à 8, je pense. Je suis à 8.
Non, je suis à 7. Va m'en falloir 2. Ici. Et voilà, maintenant la hache en bronze, c'est bout de cuir puis du bois. Un bout de cuir puis du 8 de bois, 4 de bois, 2 bouts de cuir puis 4 de bois. Bout de cuir. 2 bouts de cuir et 4 de bois. Et voilà, une petite hache. Et voilà. Elle qu'on met ici, ça ici, et voilà. Et voilà. On va dormir un coup. Voilà. Bon, lui est fait. Charbon. Bois ici. Et voilà, on récupère la hache. Et on part dans cette... Et ici. Pas utile que je fasse ça ici, bon, n'importe où, en vrai. N'importe lequel, pour la job. Pose-toi de là. Non, continue. Hey, descends. Yo, 29 de coupe de bois. T'sais, l'arbre est jacké dans les autres arbres. Quand je vais aller faire tomber tout ce qui le retient là, ça va faire réaction en chaîne. Comme j'ai dit, réaction en chaîne, il n'y a plus un arbre debout dans le coin.
Voilà. Bien. Fais dodo. Ah, ça me reste place dans de place. On se prend ça. Même pas de bouffe. Ah, c'est pas grave. Ah. Ah, j'ai du bois précieux. Prends ça ici. Voilà. On peut déposer ça. Et on recommence. On dépose ça là. Ça. Et. Ça. Et. Ah, ici, voilà. Ça ici. Résine ici. Bois précieux ici. Et voilà. On se garde pas mal de bois à transformer. On va le fouler. Voilà, avec ça ici. Et on repart pour pouvoir juste réparer mes outils avant d'y aller. Voilà. On commence. Pardon. On continue dans le même bout que j'étais rendu. Da di 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 di. Da da di di. Voilà. Ça aussi, c'est dangereux, mais bon. Ok, j'étais pas sûr, mais bon. Dans ce temps. Ou je m'aime pas, c'est donc bien craqué. Ok, le boulot me donne du bois précieux. C'est bon à savoir. C'est dangereux par ici, c'est très dangereux. Run for your life, run for your life. Et quand je disais... T'as toujours pas fini de bouger ce bord-là.
Ah bon, ça finit de se démêler. Oh, j'ai plus de place dans l'inventaire. Ok, allons-y, allons déposer. Qui est à déposer? J'ai le temps de me fesser, le petit cochon. Avant que je le tue. Bon, allons-y. En déposant ça. Ah ouais, lag. Précieux. Ouf. Bon. Voilà. On va juste balancer une autre batch de cuisson. Et ça, on descend ça. Et ça, ça. Ah. On répare la hache. Et voilà. Et on est reparti. Une belle zone de dégager maintenant. On fait de la coupe à blanc. C'est pas très écologique, mais bon. Un jeu où l'écologie n'est pas prise en compte. On va pas se priver. N'est pas fini. Niveau 31 de coupe de bois, on a pas fini. Et on a encore pas mal de niveaux à monter en vrai. Hein. Je pense pas me rendre un jour au niveau max dans tous mes stats là, mais. Parce que j'ai certains niveaux, c'est garanti qu'ils vont être maxés quand je vais arrêter le jeu. Type coupe de bois, puis course. Eux autres sont clairement maxés. Bon, je suis déjà plein, ça n'a pas été long. Vraiment pas très long de maxé. Ok. C'est dur pour refaire le plein de bois en vrai. Plus de charbon que de bois là. J'ai plus de charbon pour faire cuire mes affaires. Voilà. Voilà. À côté et voilà on récupère ça, on fait le plein et voilà on dépose. Cool, ouais. On peut en renvoyer une batch à cuire. Juste parce que je voulais pas manquer de charbon avant de remettre à cuire. Bon.
En vrai, pas besoin de réparer ma hache pour le peu de dommages que j'ai fait dessus. Les arbres se défoncent tout seuls, fait que. J'ai rien besoin de faire ou presque. On se privera pas trop. Bon, est-ce que j'ai défoncé ailleurs? Bon, je commence à partir pas mal loin là en vrai. Je suis pas encore trop loin, mais je commence à être loin, pas trop mal. Bon, on continue. Et plus le temps. Oh, ok, ça a droppé en bas là. De bois 32. Allez, on continue. L'avantage de tout défaire, c'est que je. Ah, putain, j'ai défoncé ma hache. Bon. J'allais dire que c'était que je pouvais faire un voyage plus simple, puis réparer. Tout déposer, revenir, récupérer, puis repartir. Mais là, ma hache vient de me lâcher. Fait. On va récupérer, on va réparer. Voilà. Bon, déposons encore du stock. Ça. Ici. Bois. Ici. Voilà. Ça ici. Bois précieux, j'ai pas pensé de transférer, et voilà. Et voilà.
Annuler, on monte ici, on monte ça. Et voilà, ça c'est fait, ça on descend ça. Ça on remet ça ici pour l'instant, ça on descend ça. Dormons un coup. C'est le temps de dormir. Ça donnera de finir. Idéal. Bon, pas de rêve en plus. Et voilà, on récupère ça. Ça, ici. Et voilà, les derniers morceaux de teint. On peut récupérer mon net teint que j'avais mis ici. Allons chercher le cuivre qu'il me reste. Il ne me reste pas tant que ça en vrai. Oh. Ranger les deux morceaux. Voilà, ça me fait 4 morceaux. Upgrade, qu'est-ce qu'on upgrade? La pioche, ce serait bien. C'est pas assez. 3 pour à peu près n'importe quelle pièce d'armure. L'épée. Un bout de cuir puis du bois. 4. En vrai, un bout de cuir pour la hache. Ah, on peut mettre ça ici, si on met ça là, si on met ça là. Ça vaut-tu vraiment la peine? En vrai, pas tant que ça. Bon, on va attendre ça ici. Il m'en reste la moitié à cuire. On va récupérer le bois qui traîne là à l'extérieur. Après avoir tout fait cuire là, on va aller récupérer.
Puis après ça, on va aller chercher d'autres cuivres. On a besoin de cuivre. D'accord. Et voilà, c'est les deux derniers. As-tu réussi à porter la plateau du roi? Plateau du roi, rendu avec le Delta Pan? Ah, pareil, amuse-toi. Oh, pareil. Ce jeu-là est fait pour ça. Okay. Quand t'as descendu de ça, là, du plateau, là, d'avoir les écouteurs, c'est ta musique après. Bon, on est parti miner du bronze. Il pleut. Qui est skippé la pluie? Bon, ben on va aller chercher du bronze. Bon, map. J'ai du cuivre ici, j'ai deux gisements de cuivre ici. On va aller chercher les autres. Ça va nous permettre de bien progresser. Faut aller chercher le bois là en vrai, là, ça ne dérange pas là, vu qu'il pleut là. Attendez, je le vois, il vient de me spotter de loin. Dodo. Niveau 33 de course, on n'a pas fini. Et le bémol, c'est vraiment, il faut qu'on ait beaucoup de cuivre. Bon, désolé. J'étais coincé. Je l'ai abrégé, il était coincé. Là, je vois pas. Ah, il est là, juste. Ouais, c'est lui. C'est où? Ah, ici, voilà. La pierre va prendre le bord, on va juste garder le cuivre. Non, pas de morceau. On essaie de ramasser le maximum. Il
Faut que j'y redonne sur mon inventaire parce que je ramasse plus de pierres que d'autres choses. Mais comme j'ai un stack et un coffre et demi, ben, plus d'un coffre de pierres, je garde pas vraiment la pierre. Un autre ici. Ah ouais. Oh, je vois. Merci. Voilà. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Merci. On continue. Bon, ben. Récupérons un peu de pierre en même temps, tant qu'à faire. La pioche m'a lâché, fait que on va réparer la pioche, l'upgrade. On va profiter pour upgrade ma pioche parce que ça va donner plus de durabilité, meilleur rendement avec ma pioche, en essayant de la monter au niveau le plus haut possible. Non, vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. Ils m'ont vu. Voilà. Allez. Moi j'ai une framboise. Allez, on va arriver à la borne assez vite. Merci. Home sweet home. Deux pour le prix d'un. Hey hey. Hey ho ho. Bon, on va déposer la roche que j'ai récupérée.
Comme j'ai dit, la roche que j'ai récupérée va juste servir à... Pas grand chose en vrai. J'en avais déjà pas mal, fait que... Je l'ai récupéré juste pour le fait de n'avoir un peu plus. Ah. On fait le plein. On dépose le reste là. Et on recommence à en faire cuire. On dépose l'excédent. Et, oups, il me reste du bois ici, je pense, là-dedans. Oui. Faire le bois à la cuisson. Et voilà. Et on est reparti. Oups, non, j'allais dire on est reparti, mais il faut que je réforme ma pioche. En vrai, la pioche... Bois robuste. Un bois robuste. Un bois robuste. Et voilà. Upgrade la pioche. On upgrade la pioche, elle est niveau 2. Ça va nous durer un peu plus longtemps. Pas nécessairement beaucoup plus longtemps, mais elle va nous toffer un peu plus longtemps. On va faire ça pour tous les outils, toutes les on va tout monter niveau maximum pour arriver au boss, être capable de le défoncer sans trop de problèmes. L'avantage de l'armure, c'est que ça augmente le taux de défense. À un moment donné, je vais peut-être arriver puis je prendrai même plus un dommage. Pour l'instant, ça m'étonnerait, non, mais on verra rendu là. Oh boy, bonjour monsieur, j'ai pas vu. Vous avez pas vu, vous m'avez pas vu, hein? Vous, c'est kiff kiff, hein? Vous avez pas vu, vous m'avez pas vu. C'est pas une larve devant, je pense. Ah oui, j'aurais dû le toucher, le troll. On va le tuer, il bouge même pas. Il bouge même pas, cet imbécile-là. Il avait bougé, mais là c'est correct. Mal est déjà fait. Il était poilu. Ah, ce qu'il était poilu. Avec les peaux de troll. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être capable de me faire une armure de peau de troll. Je n'ai 15, je pense. On verra rendu là. Et l'armure de peau de troll me donne l'avantage d'être plus discret, d'être plus léger, mais en vrai, c'est même pas si je vais me prendre la peau de troll, je sais pas. Ça coûte cher par exemple, beaucoup de trolls de tuer. Au moins 4 ou 5 trolls pour que j'ai une armure.
Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Je ne vous ai pas sonné! Ok, maintenant on va finir le gisement qu'il y a là. Là. Niveau 35 de coupe de pioche, 35 de minage. Hey, c'est fendu. Plus besoin de la roche. On peut prendre la minima. On enlève lui. On se dirige vers le suivant. Que j'avais déjà commencé. Oh oui, déjà commencé. Ah, largement entamé. On est dedans. Merci. Tiens un autre. Tiens un autre. Y a-t-il quelqu'un qui est encore qui va se battre? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un? Ah, y a quelqu'un. Viens ici toi. Viens ici. Allez, sauve tes fesses. Tu viens toi. Tu viens. Allez, viens. Chier. Allez, c'est pas moyen de piocher en paix. Je vous dis moi, pas moyen de piocher en paix. Un moyen de miner en paix. Est-ce qu'ils sont haïssables? Viens, viens toi, viens.
Eh, bon boy. Allez, je t'ai empoisonné. Hey, je suis en train de me faire défoncer. Je vois plus rien. Il y a trop de brouillard. Oh boy, le poison va me tuer, le poison va me tuer. Ouais, j'étais sûr, le poison va me tuer. Ah! Je faisais un bout, j'étais mort. Et lui au moins je peux récupérer mon stuff. Il est pas trop dur à récupérer. Ah, faisait longtemps. On va passer à la nuit. Je pense qu'il pleut. Ouais. C'est même pas de la pluie, c'est de l'orage. On va attendre un peu. En vrai, je vais juste aller récupérer ce qu'il y a là. Allez. Et voilà. J'étais ben trop lourd pour rien. Tout à côté. On dépose le bronze. On garde le cuivre. Reste plus de bois là. Deux. Bon, en attendant que ça cuise, je vais aller chercher une bière. J'ai encore soif. Des frais, on balance ce qui exactement. Ah, c'est triste, hein?
Arrête de m'ignorer. Et reste avec moi. Un lingot de plus, ça nous fait 6 lingots de bronze, 5 cuivres. Bon, c'est pas que lag. On va avoir beaucoup de chemin à faire, mais à pied. Hey, c'est le chaman qui était gossant. La brute, en vrai, je l'ai buté. Mais c'est le chaman avec son poison. Bonjour le chat, mets ton cul sur mon micro, on va le monter un peu. J'ai pas ton cul dans mon micro. Bonjour le chat. Voilà. Il veut des papouilles. Il avait été pété. Bon, allons récupérer. Pas de perte de compétences. Je comprends pas encore pourquoi il m'indique pas de perte de compétences. Comme si on perdait les compétences depuis le nombre de fois que je suis mort dans le jeu. J'ai pas perdu une seule compétence. Statistiquement parlant, j'aurais dû perdre un peu de compétences. Mais non, j'ai rien perdu jusqu'à date. Mais pas pour me plaindre, c'est juste surprenant. Bon, yo mon ma pierre tombale. C'est à côté ici, voilà. Objet récupéré, bon. Voilà. Combien j'ai de poids? J'ai beaucoup trop de poids inutile. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Voilà. Déjà moins pire comme ça. C'est de la... Il y a des morceaux de cadavres ennemis un peu partout, mais... Même pas fini encore de tout ramasser le cuivre. Je sais même pas si on va avoir fini de le ramasser. Avec le peu de place dans l'inventaire qui me reste. Attends un peu, je crois que j'en ai un ici. Attends. La garnotte, j'en veux pas, j'ai dit. Oh, j'ai oublié de manger un bout. Excellent gisement de cuivre en vrai. Maintenant je comprends ce que mon frère voulait sous-entendre par ceux qui ramassent que ce qu'il y a de visible. Le plus gros du cuivre est sous terre.
J'ai même pas fini de le ramasser. On va arrêter, on va ramasser un peu de stock ici. Un petit survol de tout le stock ici. On ramasse ce qu'on a pu. Voilà, j'ai ramassé le plus gros. Ok, et on est reparti pour un petit tour à la baraque. La pioche est déjà presque morte. Ah. Après, je pense que j'aurais pu l'améliorer, ma pioche. Oh, j'aurais pu l'améliorer avant de m'en aller. C'est bon, on va le faire là, ce coup-ci. Là. Je sais que je vais pouvoir le faire. En vrai, c'est la pioche, la hache. Après ça, c'est l'armure, l'épée et le bouclier que j'améliore. Dans l'ordre, là. Ça doit être ça l'ordre. Il va me falloir le marteau aussi, là. Je l'ai pas refait, là. Le marteau. La masse d'armes, je l'ai pas refaite. Je vais la refaire bientôt, mais après c'est pas. Je vais la faire juste avant d'aller faire le boss. Je vais la booster au maximum avant d'aller faire le boss. Que mon frère m'avait un peu spoil, le boss peut pas prendre de dommages avec une épée. Fait qu'il faut que je lui donne un coup de matraque. Une masse d'armes, fait que. On va le faire. Ok, on arrive. Bon, on va tout réparer pour l'instant. Bon, je pense que j'ai un monstre dans le coin. Ouais. Hein. Lâche mes affaires. Bon, on va aller vider un peu de stock. Qu'est-ce que j'ai dans l'autre ici? Ça ici. Ça ici. Ça ici. Ça l'autre à côté. Ici. Ça. Ça, ça va dans l'autre ici. Ici. Tatati, pétiti, ici. Ah. Et à la transformation. Ça fait du bien. On peut manger une petite bête. On va se récupérer
Hop. Comme ça, avec ça, on va être correct. On va juste pouvoir aller remplir ça ici. Et voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Que j'ai pioche, ma hache, mon pied, mon bouclier. Ouais, j'ai rien besoin de plus que ça. Voilà. Si je fais ça comme ça, que je gagne l'efficacité pour évacuer la fumée. Pas sûr. À ne penser, il faut que j'efface évacuer la fumée de la maison pour faire efficacement. Peut-être rallonger le toit ici, la zone ici, de 1. Non, il veut que t'ailles dedans. Dans le temple là, là puis là, d'aller dans ce non, temple. Non. Voilà. Je pense qu'il faut que tu fasses tous les sanctuaires. Je pense qu'il faut que tu aies fait tous les sanctuaires du premier ce palier du roi, je pense. Je suis pas sûr, mais je me souviens plus. Hein, c'est justement, ça te permet de faire plein de choses avec d'essayer plein d'items sur ton affaire, ta tablette Shaika. Non, la dernière fois, c'est moi que t'avais tout fait. T'avais fait la première partie. Because tu comprenais pas. Là, je vais te laisser te débrouiller. Je sais plus pourquoi. Non, je sais juste plus pourquoi je te l'avais fait. Crache-moi le dernier. Allez. Allez, crache le dernier. Crache. Voilà. Ça, je n'ai plus. Du minerai à faire cuire. Bon, en attendant. On laisse ça aller. Bon, en attendant, je fais plus trop de la face. Ça, je fais une petite notification. Ça, je fais ça. Ça, je regarde ça. Ça, je peux fermer ça, je peux
Venir là-dessus. Bah, tu mets tes écouteurs en passant, hein. Ça dérange pas que j'ai plus de bouffe. Elle disparaît, ça me dérange pas. J'utilise pas ma bouffe pour l'instant vu que je fais juste attendre que mon cuivre fuit. Non, mais c'est parce que je voulais entendre qu'est-ce qu'il disait. Un petit peu bad. Bon. On rajoute du charbon. On récupère du cuivre supplémentaire. On récupère de l'étain supplémentaire. On forge ça comme ça. Et voilà. Déposons 11 l'étain. Et voilà. Le bois à cuire, voilà, on récupère et on recommence. Il doit m'en rester encore un peu. Ouais, il me reste 5 à cuire encore. Passer la nuit, allons se coucher. Ça va tout se terminer. C'est terminé. On remplit de charbon, on récupère ça, on dépose le charbon ici, on récupère de l'étain. Il me reste encore de l'étain d'over. Il va me rester de l'étain d'over. Ok. Là, on peut déposer l'étain. On récupère tout ça. Bon, upgrade de la pioche. Pour du bois robuste. Je peux faire une amélioration de la pioche. Ah, c'est parce que j'arrive au niveau 3 de la pioche, ok. Après ça, la hache. 4 de bronze puis un bout de cuir. Il va me rester. Où je peux faire. Ah, embêtant. Je pense que je vais faire la pioche ou du bois robuste. Hein? Deux. Je me suis trompé. Il m'en manque un. Voilà. Upgrade la pioche. Et voilà, elle est niveau 3. Je peux l'améliorer niveau 4. Non, je peux pas l'améliorer niveau 4. Il manque quelque chose pour la niveau 4. On verra rendu là, parce que je l'ai pas encore débloqué, je pense.
je regarde mon 6. Myopole. Non. Fabrication. Ah, c'est ça, fabrication. Non, je vois pas de quoi qui a rapport à la forge. Tout ce qu'une étoile a un rapport avec la forge, avec une amélioration. Ces trois-là permettent de monter ma forge de bord, mon établi niveau 3, niveau 4, jusqu'au niveau 4 ici. Lui me permet de monter ma forge niveau 3. Et dire que c'est correct. Fait. À partir de là, ça c'est fait. Ma pioche est niveau maxé. Je pourrais faire la hache, le bouclier ou l'épée. Mais je pourrais aussi faire un morceau d'armure. Cuirasse. On va aller avec la cuirasse. Là, j'ai les jambières que j'ai fait. La cuirasse, ok, c'est 6. Et voilà. On a gagné 4 de protection. Maintenant, on peut retourner. Il manque quoi en termes de... J'ai plus d'étain. J'ai plus de bronze. Il va me falloir un méchant paquet de bronze. En vrai, je vais récupérer... On laisse ça là, ça on récupère ça, ça et ça. Allons-y, doucement mais sûrement, jusqu'ici. Et voilà. Et voilà, je vais vérifier si je peux améliorer ma cape par exemple. J'ai niveau 2. Hop. La cape de pot de serre, 8 pots de serre, fragment d'os 10. Me reste-tu ce qu'il faut? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Je pense que je l'améliorerai pas. Bon. Allons-y et on est parti. Donc voilà, on est parti pour refaire le plein de stock. Ok. Pour de vrai, je pense que je vais arrêter cela. On va aller chercher du bronze la prochaine fois. On est dû pour refaire le plein d'équipement. On va prendre lui puis on va faire ça. Il nous faut... beaucoup de bronze, beaucoup d'étain encore. Je vais vite prendre ça. Ouais, je préfère mieux ça. Il me faut beaucoup de bronze, beaucoup d'étain. Ensuite, il va me falloir améliorer tout mon équipement. En vrai, pour ce qui est d'améliorer l'équipement. Et pas pour tout de suite, parce que si on fait le calcul, ça va en doublant d'après ce que j'ai cru remarquer pour l'armure standard en bronze. 3, 6, probablement 9 ou 12 le prochain tiers, on verra. Mais ça veut dire que c'est tout le temps deux fois le cuivre, il va me falloir beaucoup de cuivre et beaucoup d'étain aussi. L'étain, j'ai fait la moitié du tour de l'île dans la forêt noire. Fait que je suis pas garanti d'avoir assez d'étain. On verra. Mais probablement que c'est pas... non, pas, ce sera la semaine prochaine. Je vais être capable de faire un live, pas un live, mais juste une session minage.
Mais là, c'est loin. Je vais juste faire quelque chose avant. J'ai manqué. Oh! J'ai manqué. Attends. Je l'ai manqué. Bon. Voilà. On se retrouve après-demain pour Minecraft. Vu que pour l'instant, j'ai pas l'intention de reprendre pour un bout. Ben, avant. Attendez, il revient. Il revient, il revient. Ah, il m'a respoté. Il m'a respoté. On va changer de position, on va attendre. Pour ce qui est de Valheim, je trouve qu'on avance pas tant vite que ça, mais on avance quand même. On est full équipe. Il faut juste qu'on améliore tout notre équipement. Et pas une mince affaire. Il vient pas lui-là, là. Ah, il reviendra pas. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve jeudi pour plus d'aventures.